ben voilà, aujourd'hui un petit peu de VAE pour faire des courses, et ensuite une petite rencontre abonnée, et là ce sera avec le vélo couché. Oui, c'est difficile hein, de respecter un mètre de distance, mais il faut dire que sa voiture est très très large, hein, donc je peux comprendre, hein, c'est vraiment pas évident. Un stop, hein, logique, hein, j'attends de voir que tout le monde passe. Ça me donne l'occasion d'observer le cycliste là qui se fait quand même assez bien frôler par les véhicules, simplement parce que voilà, hein, il tient beaucoup trop sa droite en fait. Alors elle m'a surpris, je l'avais absolument pas vue sur la bande pour tourner. Vraiment, je sais pas d'où elle sortait. Alors voilà, ici on peut voir qu'il n'y a aucun véhicule sur la bande pour tourner. Un petit coup à gauche, ok, je peux avancer. Ah ouais, voilà en fait, voilà ce qu'elle a fait. Pas une trajectoire très logique, hein. Tu m'étonnes que j'étais surpris. En voilà un pressé de passer, donc je ralentis, forcément. Ah ouais, pour tourner, avec un autre derrière qui me colle. Tout va bien. Alors ici, pour montrer que, il n'y a pas qu'avec les cyclistes que certains grillent la priorité à ceux qui viennent en face. Bravo, super. Ah, la pluie arrive, sinon c'est pas drôle, hein. Et si, observez bien comme je suis méfiant quand je dois freiner pour un piéton. Voilà, je regarde derrière pour voir si la voiture a bien su freiner derrière moi. Bah oui, ça me fout les jetons maintenant. Voilà, première sortie officielle, et c'est pour aller voir un abonné. Et bien sûr, évidemment, on a vraiment choisi le bon moment, hein. Regardez, il pleut comme vache qui pisse, mais tout va bien, c'est super top. Bon, ça me fait quand même plaisir de prendre le vélo, même quand il pleut comme ça. Oui, là, ici, l'automobiliste qu'on vient de croiser, il a dépassé un cycliste, mais en le frôlant, donc oui, ça me fait pas plaisir. Et désolé, c'est vrai que je n'ai pas encore le réflexe de dégager la flotte de l'objectif de la caméra. Bon, il va falloir que je prenne ce réflexe-là, clairement. Voilà, là on me laisse passer, donc je peux y aller calmement. C'est cool. En tout cas, quel que soit le vélo, on reprend très vite les réflexes et les habitudes. Hein. Regardez là, voilà, sur ma gauche, je le sens. Wow ! Qu'on vienne pas me dire qu'il a regardé attentivement. Ça, c'est pas possible. Et voilà, presque rendu. Oui, on s'est donné rendez-vous dans un endroit où on pouvait être à l'abri. Donc j'ai rendez-vous avec Aocycle. Et j'espère que bientôt il lancera sa chaîne. Il a déjà fait quelques vidéos, mais on verra bien. En tout cas, ciblage fait. C'est parti pour la rencontre. La première, c'est cool, c'est sympa. Hey. Ça va? On te voit devant. Ouais, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. C'est cool. Ouais. Oh, puis en plus, au-delà de ça, quoi. J'ai l'occasion de me rendre compte que ça, c'est foutu. Donc il va falloir que je trouve un autre, mais c'est pas grave. Ouais. T'as choisi ton jour. Enfin, on a choisi notre jour. J'ai pas vraiment choisi. Non, je sais. En tout cas, c'est vrai qu'on te voit bien aussi avec ça. Ouais, c'est bien. C'est celui que j'avais acheté quand j'ai commencé. Est-ce que le témoin de la caméra fait avec lunettes? Ok, ça va. On va prendre le rond-point, on va monter là. Oh, tu vas... Ben oui, hein. Ouais, je suis souvent le même trajet, hein, donc...
Ah bah c'est bon, nickel. Oh, c'est cool de faire le parcours ensemble, ça m'arrive très rarement. Et on va pas avoir à attendre longtemps avant de voir un truc foireux. Hein. Bon, on est à Namur, dans une ville, c'est très vite le cas. Regardez bien ici, le beau c'est dès le passage. T'as vu, hein, c'est la folie ici. Hein. Ah, par contre, c'était sympa de nous laisser passer, c'était super. Merci monsieur. Ouais, c'est un peu chaud parce que je dois regarder devant mais aussi derrière pour voir s'il y a aussi que me suit bien. Ouais, ça c'était beau, hein. Regardez comme la priorité de droite. Pff, oh bah non, hein, on s'en fout totalement. Et alors ici, je vais serrer les fesses parce que c'est la première fois que je repasse ici avec mon vélo couché depuis mon accident. Donc voilà, juste ici, voilà, c'est la petite pensée quoi, je suis pas à l'aise. Et pour une fois, j'espère qu'ici je vais avoir le feu rouge, comme ça, voilà, on pourra rester ensemble avec Aosik, puisque sinon il pourra pas me suivre. Et voilà, c'est nickel. Ça va aller vite. Alors, petite réflexion sur le fait qu'on est en aglo et on peut se mettre à dos de front. Bah oui, en agglomération, deux cyclistes peuvent rester à dos de front, même s'il y a des véhicules derrière. C'est comme ça, c'est dans le code de la route. Donc voilà, l'occasion de le rappeler, simplement. Impressionnant, hein, c'est les nuages bien sombres avec le soleil, ça contraste superbement. Ah, du coup, pour savoir s'il y a aussi que les biens derrière, c'est pas très difficile. Dès qu'il freine, voilà, je le sais. Ah oui, c'est beau, rien de tel que de s'arrêter en plein milieu de la route pour tailler une bavette, hein. C'est cool. Ok, il est toujours bien derrière. Et donc, nous voici arrivés au Barnabir, où on s'est pris une petite bière, tout en discutant avec des choses bien sympathiques. Hop là, eh ben écoute, je te dis au revoir maintenant. Hein. Faire une bonne poignée de main, ou un bisou, comme tu veux. Ouais, ben, franchement, ça m'a fait plaisir, c'est cool, super. Ouais, je ferai une petite vidéo sur la rentrée. Allez, salut, à bon retour, hein. Merci. Et voilà comment se termine cette vidéo, bon, un petit peu spéciale, mais voilà, bien sympathique aussi. Allez, bonne route tout le monde, et faites attention à vous.